Un jour, quelqu'un a dit que tous les hommes voudraient naître pour grandir dans le chaos et la haine. Dégage ! À voter. Au tribunal correctionnel. Les émeutes ont éclaté, je le répète. Calme, on arrive, ok? C'est ça, je vous attends tranquille, sans bouger! Bastos! Et alors, c'est de ma faute! Il devait pas être dans le coup. Eh, hey, c'est pour toi qu'on a fait ça! Comment? T'as pas loupé l'enculé? Pars-toi! Mais oh, ouais! Oh, oh. T'interdis de parler de mon frère comme ça! Assume un peu! Ok! Moi, j'emmène à l'hôpital. Pouvez-vous vous barrer comme prévu? Y'a pas d'hôpital. Oh! Non, mais sérieux, il faut qu'il voie un médecin. Madame, mets son tampon aux urgences et on vous rejoint dès qu'on sera sorti de ce merdier. Voilà. Travaille ici, bouffon, tu veux que je te laisse sécher? T'es de cul, hein. Amène-moi Farid Macouille. C'est le bébé? Ça te regarde. Quand j'aurai avorté, là-bas sera l'histoire ancienne. Pias, mais j'ai fait ça pour nous. Plus ça, et plus ça. Comment ça? Pour savoir, je crois que je suis déjà mort, fils de pute. Trop, on peut y aller. On a ton autorisation, c'est bon. Deux émeutes entraînées par les résultats du premier tour des élections, le gouvernement sort. Fermez sa gueule! Toi qui fermes ta gueule! Les couilles! Fils de pute! Allez! Tranquille, pépère dans mon coin. Même pas une petite cochonne. Pourquoi tu t'arrêtes là? Descends. Quoi? Descends. Je suis désolé mec, je garde la thune, descends. Quoi?
Je te sens, putain. Je te sens, tu veux que c'est ta mère en même temps. Vas-y, je te sens. Lâche-moi, je te sens. Mais je rigole. Tu es un bonhomme. Je te mets un coup de pression. À tout à l'heure. Quoi, tu... Il est chargé. Il est temps que je devienne un bonhomme. C'est quoi ? On va là ? Eh ben voilà, il y a toujours de la place là-dedans, c'est parfait. Ah mais cool, on est pas à Paname ici. Ah oui, mais prends l'oseille, tu vas pas laisser là. Tout est possible ici. Bon. Eh bah, c'est notre genre de chance. Je sais pas. Vous deux? Nous trois. Hein? Elle est chaude, elle est chaude. C'est quoi, chaude? Grave. Pour une nuit. Merci. Je vous offre un verre. Avec plaisir. Et comme ici, on tomberait sur des beautés comme vous. Vous êtes vraiment... Ça change. Des mecs comme vous, c'est pas tous les jours. Bien. D'habitude, c'est des routiers qui passent dans le coin. Toi. Non, t'as raison, Gilbert. Moi, je suis un mec. Ah non, non. J'ai une copine, moi. Et ma mère, c'est pas moi. Le puceau, tu laisses les grands travailler, d'accord? Tu me disais? Oh, vous n'êtes pas pédé, hein? Moi? Tu m'as demandé d'aller jusqu'au bout, non? Et puis je vais appeler ma meuf parce qu'elle doit s'inquiéter. Ça va pas? Regarde les nouvelles, hein. Ça vous retape un gaillard. C'est quoi exactement? C'est cuit dans la graisse de cochon. Ma religion. Comment ça, t'es juif? Allez, ouvre la bouche, la mère, là. La bouche, là, je vais pas le faire pour toi non plus. Roméo! Il a plus faim? Ouais, bah moi non plus, c'est quoi ce plan, la merde? Ah bah d'accord, ok. Ok. Non, t'en vas pas. Qu'est-ce qui se passe? T'avais raison, Farid. Non, mais t'as un ouf ou quoi? Comment tu parles? Je disais depuis le début que c'est des putes. C'était trop beau pour être vrai. Tu vas me tuer, tiens, réponds, je l'ai pas. Comment ça se passe? Tom, c'est la merde. On est dans un petit motel, hein, comme t'as vu. Ça envoie l'adresse par texto. T'as mon pote, tu tires une sale gueule. Rien. Prononcé sur les émeutes, il a décidé de faire de l'insécurité. Je l'ai en face de moi, je tue à moi. T'as vu de faire part de... Sors. Tout, non? D'où vous venez? Qu'est-ce que vous faites par ici? Hein? Vous vous êtes égaré? Il vous dit la vérité, on va rejoindre des potes à Amsterdam, c'est tout. C'est ça. Ça ressemble à un bordel, peut-être. T'es en train de me dire que mes sœurs sont des putes, c'est ça? Non, non. Vous me frappez, là. T'as joué? Allez, je te mets sur la tête. Allez! Quoi? Si, il est là. Gilbert, qu'est-ce que tu racontes? C'est du linge. Arrête!
C'est une mine. Tiens, j'ai trouvé ça. Ah, vous êtes des amis de Tom et Farid. Le motel est complet. Vous pouvez nous indiquer la route? Venez. Tu vas bientôt la remplacer. Carl, bordel! Good. Ouais! C'est ici que ça pue. C'est ici. Pire, je te pousserai, hein. Allez. Y'a quoi à l'intérieur? Mets ta lumière au bout. Bah attention, elle est très timide. Bonsoir. Si, c'est gentil. Elle est où comme ça? On va à Hollande. Suivez-moi. Vous êtes mariés? Non, on n'est plus ensemble. Ça va. Viens m'aider. Qui ça?
Ashley, et va les mettre. Oh, de la famille. Regarde sa peau. Elle n'est pas pure pour me succéder, car elle sera fidélité. Je devrais faire la coupe tout à l'heure. Thank you.
Faut aller chercher un peu. Kleiner Junge. Wunderbar. Eins. Insel. Servation. Détachez-la. Elle est enceinte. Attends. Ça me l'aide à faire des bébés. C'est costaud, hein? Un autre vite. Non. Moi, ils m'ont prise à mes pieds, je faisais tout ce qu'ils disaient. Le père voulait que je... Mais nos enfants sont nés avec des problèmes. Pourquoi tu restes ici? Ils me l'ont promis. Je sais qu'un jour, ils viendront me chercher. Maintenant, ils vivent dans la mine. Retourner la ferme, porte ici. Sauva Virgot, elf, chère et belle famille. Et appelleront Lily, si c'est un garçon. À notre chère et belle invitée, à de nouvelles grandes choses. Je tiens également à vous annoncer, Karl von Geist. De votre frère, mon fils, meine liebe Tochter, gewohnt flach. Expliquez ce à quoi je vous destine. Dieu, un enfant. J'ai pas le chaînon manquant d'une race. Il sera rien du tout. Croix! Il en a de l'autorité, le nouveau petit chef. Gates! Lève-toi! Je t'ai
küssen sie sich für besiegeln und term aux querelles inutiles. Thank you.
Un jour, quelqu'un a dit que tous les hommes voudraient naître pour grandir dans le chaos et la haine. Dégage ! À voter ! Au tribunal correctionnel. Les émeutes ont éclaté, je le répète. Yeah.
à moi. Merde. Te calme, on arrive, ok? C'est ça, je vous attends tranquille, sans bouger. Bastos. Et alors, c'est de ma faute. Il devait pas être dans le coup. Hey, c'est pour toi qu'on a fait ça. Comment? T'as pas loupé l'enculé. Pars-toi. Mais oh, hey, oh, oh. T'interdis de parler de mon frère comme ça. Assume un peu. Ok. Moi j'emmène à l'hôpital. Vous pouvez vous barrer comme prévu. Y'a pas d'hôpital. Oh. Non mais sérieux, il faut qu'il voie un médecin. Madame met son tampon aux urgences et on vous rejoint dès qu'on sera sorti de ce merdier. Voilà. Reviens ici, bouffon, tu veux que je te laisse sécher? T'es de cure. Amène-moi Farid Makoui. C'est le bébé? Ça te regarde. Quand j'aurai avorté, là-bas sera l'histoire ancienne. Pias, mais j'ai fait ça pour nous. Plus ça, et plus ça. Prends ça. Pour savoir. Je crois que je suis déjà mort, fils de pute. Trop, on peut y aller. On a ton autorisation, c'est bon. Deux émeutes entraînées par les résultats du premier tour des élections, le gouvernement sort. Fermez sa gueule! Toi qui ferme ta gueule! Les couilles! Fils de pute! Allez! Tranquille, pépère dans mon coin. Je me... Même pas une petite cochonne. Pourquoi tu t'arrêtes là? Descends. Quoi? Descends. Je suis désolé mec, je garde la thune, descends. Quoi? Putain, descends, putain! Putain, descends, tu veux que c'est ta mère en même temps? Vas-y, je descends, je descends. Lâche-moi, je descends. Mais je rigole. Je suis un bonhomme. Je te mets un coup de pression. A tout à l'heure. Quoi tu... Allez, charge. Il est temps que je devienne un bonhomme. C'est quoi? Voilà. Ah bah voilà, il y a toujours de la place là-dedans, c'est parfait. Cool, on est pas à Paname ici. Ah oui, mais prends l'oseille, tu vas pas laisser là. Tout est possible ici. Bon. Eh bah, c'est notre genre de chance. Je sais pas. Vous deux? Nous trois. Hein? Les choses, les choses, c'est quoi, chante grave? Une nuit. Merci. Je vous offre un verre. Avec plaisir. Et comme ici, on tomberait sur des beautés comme vous. Vous êtes vraiment... Okay. Ça change. Des mecs comme vous, c'est pas tous les jours. Bien. D'habitude, c'est des routiers qui passent dans le coin. Toi. Non, t'as raison, Gilbert. Moi, je suis un mec.
Ah non, non, j'ai une copine, moi. Et ma mère, c'est pas moi. Oh, le puceau, tu laisses les grands travailler, d'accord? Tu me disais? Oh, moi, vous n'êtes pas pédé, hein? Moi? Tu m'as demandé d'aller jusqu'au bout, non? Et puis, je vais appeler ma meuf parce qu'elle doit s'inquiéter. Les nouvelles, hein. Ça vous retape un gaillard. C'est quoi exactement? C'est cuit dans la graisse de cochon. Ma religion. Comment ça, t'es juif? Allez, ouvre la bouche, la mère. La bouche, là, je vais pas le faire pour toi non plus. Oh, mais oh. Il a plus faim? Ouais, bah moi non plus, c'est quoi ce plan, la merde? Ah bah d'accord, ok. Ok. Non, t'en vas pas. Qu'est-ce qui se passe? T'avais raison, Farid. Non mais t'as ouf ou quoi? Comment tu parles? Je disais depuis le début que c'est des putes. C'était trop beau pour être vrai. Tu vas me tuer, tiens, réponds-lui, moi je l'ai pas. Bon, comment ça se passe? Tom, c'est la merde. On est dans un petit motel, hein, comme prévu. Je t'envoie l'adresse par texto. T'as mon pote, tu tires une sale gueule. Rien. Prononcé sur les émeutes, il a décidé de faire de l'insécurité. Putain, je l'ai en face de moi, je tue à mon. T'as voulu te faire pardonner? Tout, non? D'où vous venez? Qu'est-ce que vous faites par ici? Hein? Vous vous êtes égaré? Il vous dit la vérité, on va rejoindre des potes à Amsterdam, c'est tout. C'est ça. Ça ressemble à un bordel, peut-être? T'es en train de me dire que mes sœurs sont des putes? C'est ça? Non, non. Vous me frappez, là. T'as joué? Allez, je te mets sur la tête. Allez! Quoi? Si, il est là. Gilbert, qu'est-ce que tu racontes? C'est du linge. Arrêtez, putain! Je vais me préparer! Dépêche-toi! Coach! Tu l'as pas. Vous êtes des amis de Tom et Farid? Le motel est complet. Vous pouvez nous indiquer la route?
Venez. Tu vas bientôt la remplacer. Car, bordel. Good. Ouais. C'est ici que ça pue. C'est ici. Pire, je te pousserai, hein. Allez. Y'a quoi à l'intérieur ? Attention, elle est très timide. Bonsoir. Si, c'est gentil. Elle est où comme ça ? On va à Hollande. Suivez-moi. Vous êtes mariés ? Non, on n'est plus ensemble. Ça va. Viens m'aider. Qui ça? Fidélité.
train de refaire la coupe tout à l'heure. Ce qui se passe. C'est les enfants. Les gosses sont en... Vas-y. Jésus, qu'est-ce que vous allez faire? En Afrique, il leur coupait le tendon d'Achille. Comme ça. Les Arbeiter! Kleiner Junge. Wunderbar. Eins. Unser.
Observation. Détachez-la. Ça me met à faire des bébés. C'est costaud, hein? Un autre vite. Non. Moi, ils m'ont prise à mes pieds, je faisais tout ce qu'ils disaient. Le père voulait que je... Mais nos enfants sont nés avec des problèmes. Pourquoi tu restes ici? Ils me l'ont promis. Je sais qu'un jour, ils viendront me chercher. Maintenant, ils vivent dans la mine. Retourner la ferme, hors d'ici. Sova Virgot, elfe, chère et belle famille. Et s'appelleront Lily, si c'est un garçon. À notre chère et belle invitée, à de nouvelles grandes choses. Je tiens également à vous annoncer, Karl von Geist. De votre frère, mon fils, meine liebe Tochter, gewohnt Frack. Expliquez ce à quoi je vous destine, Dieu, un enfant. J'ai pas le chaînon manquant d'une race. Il sera rien du tout. Quoi ? Il en a de l'autorité, le nouveau petit chef. Gates ! Lève-toi ! Je t'ai offre ! Kissen Sie sich. Für besiegeln ein Term aux querelles inutiles. Qu'est-ce que tu fais? Hante! Hante! Oh, ton conduit! Hante, oh, ça va!
nom, c'est un ordre. Je vais pas te louper, salope. Thank you.
watching me going slowly to my grave, sipping hatred in a glass of milk. Didn't know you, even me untendered. So leave me cruel, but I'm not a failure. Killing me, I'm a monster. You spill my blood, it will soon be over. Soon be.